La vie carcérale à la surpeuple prison de Rebus ressemble à l'enfer, entassé comme des sardines dans de minuscules cellules inexorablement incrustées de crasse. Les détenus croupissent dans des conditions inhumaines. C'est du moins le tableau hideux décrit par Alutine dans un tweet sur X. Selon la figure de proue de la société civile sénégalaise et défenseur des droits humains, la situation est devenue invivable à Rebus. Salaire insoutenable, pénurie d'eau et la gale qui ferait son apparition et affecte certains détenus, les mots auxquels les détenus de Rebus seraient confrontés, confie M. Tine, qui estime que le président Macky Sall devrait prendre des mesures exceptionnelles maintenant pour la libération des détenus politiques et des détenus présumés innocents qui présentent des garanties de représentation. Au total, plus d'un millier de personnes arrêtées dans des manifestations ou des rafles sont détenues dans cette maison d'arrêt. Une situation qui a davantage accentué la surpopulation carcérale. L'Observatoire des lieux de détention et le Comité sénégalais des droits de l'homme sont également interpellés par la situation exceptionnelle que crée la pénurie d'eau et la gale qui ferait son apparition à Rebus, conclut Alutine.